Dans un EHPAD, ce sont près de 20 kilos de nourriture qui sont jetés par jour, c'est-à-dire 7 tonnes par an, c'est-à-dire 12 300 repas qui partent à la poubelle chaque année. Et pour diminuer drastiquement ce gaspillage, on doit compter sur deux choses essentielles, l'innovation et la collaboration des différentes parties prenantes. C'est pour ça que la campagne de Silver Fourchette anti-gaspi est particulièrement précurseur en la matière. Elle permet à tous les établissements participants d'identifier des leviers simples, des leviers efficaces pour limiter la production de déchets et donc le gaspillage alimentaire. Mais elle met aussi et surtout l'accent sur les conditions de l'alimentation des seniors et aussi sur les moyens qu'on peut mettre en œuvre pour l'améliorer et j'oserais même aller plus loin d'ailleurs pour la sublimer. Parce que grâce à une attention particulière qui est portée sur les nouvelles technologies culinaires et nouvelles techniques, comme par exemple les textures modifiées, les cuissons basse température, la digitalisation, tout ça nous permet d'avoir une alimentation innovante, une alimentation de qualité, une alimentation plus saine et plus satisfaisante. D'abord par sa forme qui est sa grande force. C'est un festival d'animation culinaire sous forme de Tour de France gastronomique déployé dans 14 départements partenaires. Entre septembre et mai 2018, vous avez réussi à sensibiliser plus de 30 000 personnes. C'est un tour de force. Et je le dis parce que souvent, nous aussi, on essaye de lancer des campagnes de mobilisation et de communication. Donc, je ne dis pas que ça par flagornerie, loin de là. Ensuite, parce qu'il met un point d'honneur à associer tous les acteurs du territoire. Et là aussi, les solutions, elles vont souvent et elles sont au croisement des différentes parties prenantes des différents secteurs. Et c'est là qu'a lieu l'innovation, mais c'est aussi là que c'est le plus difficile. Acteurs publics et privés se lient aux producteurs locaux et aux lycées agricoles pour promouvoir les circuits courts et une alimentation durable et responsable. Votre festival d'animation culinaire est une manière ludique d'associer tous les publics et donc de donner un plus grand écho à la cause. Enfin, par les problématiques qu'il met en avant et les questions sociales et environnementales qu'il pose. Quel est le temps d'un repas? Comment allier santé et plaisir? Comment assurer une chaîne durable de l'approvisionnement jusqu'aux déchets? Tout ça, ce sont des questions essentielles qu'il faut prendre le temps de se poser et auxquelles aussi il faut prendre le temps de répondre. Et ce sont des pistes concrètes que vous nous donnez là et nous en avons fondamentalement besoin, en particulier nous, décideurs publics. Rendre toutes les assiettes de France durables, c'est un pari qui est réalisable. Et l'initiative portée par Sylvie Fourchette, ainsi que le maillage territorial de qualité que vous avez réussi à mettre en œuvre, nous prouve qu'il est possible de transformer notre manière de consommer. Ça nous montre que c'est possible. On a besoin de bonnes pratiques, on a besoin d'exemples. Grâce à la prise de conscience et la mobilisation de tous les acteurs, eh bien aujourd'hui, notre transition agricole, notre transition alimentaire, elle est en cours. Pour la rendre optimale, nous avons besoin de plus d'initiatives comme ça. Il en faudrait des centaines sur le territoire. Et surtout, nous avons besoin que toutes les parties rentrent dans la boucle de l'économie circulaire. Les acteurs publics, privés, associatifs, chacun a un rôle particulier à jouer. On peut encore aller plus loin et j'ai hâte d'entendre d'ailleurs vos idées et vos projets. Je sais que je vais avoir l'occasion d'y faire un tour après. Mais vous qui êtes en quelque sorte autour de cette table, je sais que vous en avez conscience et que vous mettez en œuvre, chacun à votre échelle, de beaux projets pour que l'approvisionnement à la gestion des déchets, la consommation française, devienne un exemple de consommation qui soit aussi responsable que durable.